revenu, retour de la neige dans les Alpes. Oui, ça y est, hein, les conditions météo s'annoncent un peu plus hivernales avec donc le retour de la neige hier du côté de Châtel. On aura également de la neige tout au long de cette journée de mercredi au-delà de 2200 mètres d'altitude. Du côté de Nice, très belle journée hier avec un magnifique coucher de soleil. Regardez, seulement quelques nuages, un ciel de feu, notamment dans les rues niçoises. Alors au programme aujourd'hui, toujours un temps assez mitigé, assez instable. On va retrouver de l'instabilité avec une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre les Côtes d'Armor, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est du pays. Je vous le disais, un petit peu de neige en montagne et toujours beaucoup de vent, ce vent d'ouest qui continue à souffler bien fort, notamment sur la façade atlantique ou encore entre la région PACA et la Corse. On a eu beaucoup de vent hier en Corse, ça va se maintenir aujourd'hui. Dans l'après-midi, la perturbation, on la retrouve un petit peu plus au sud, entre la Corrèze, la Creuse ou encore en allant vers le nord du Lyonnais ou encore les Savoies. On retrouvera donc de fortes pluies partout ailleurs, alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses, toujours un temps assez maussade aujourd'hui, excepté sur les frontières de l'Est ou encore autour du golfe du Lion où là le ciel est parfaitement dégagé cet après-midi. Côté température, température à peu près stationnaire qui remonte un petit peu par rapport au jour précédent le matin, 15 degrés dans le sud-ouest, 10 degrés en Bourgogne ou encore 11 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent toujours en dessous des normales de saison, 15 degrés à Paris, 20 degrés en moyenne du côté de Bordeaux, vous aurez 17 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Suite du programme défilé de perturbations avec des températures encore un peu fraîches pour la saison.